Alors ça, cette directive est une assez bonne nouvelle. Il y a pas mal de temps de maturation, de réflexion. On arrive à un résultat qui est intéressant pour l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, qui est un gros sujet pour tout le monde. On voit bien que les temps sont devenus un peu plus difficiles et que c'est bien d'avoir une directive commune pour régler toute cette question-là. Bien entendu, on aurait pu toujours espérer mieux. En particulier, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas évoqué le sujet délicat du travail du dimanche et de ce jour férié en faveur duquel nous militons. Nous pensons que le rythme de la semaine est un rythme assez naturel et qu'une journée par semaine, une journée commune dans toute l'Union européenne pour faire autre chose que se concentrer sur la consommation et sur le travail, mais en particulier cultiver ses relations familiales, ses relations amicales, etc., serait important. Donc voilà, il y a ce petit manque, mais pour le reste, c'est une bonne nouvelle et nous remercions les députés de le voter.